Richard. Richard n'est pas en mesure de vous entendre, Bratan. Pas tant que nous serons juste à côté de la base et de son dispositif de brouillage. Qui êtes-vous, bon sang ? Quelqu'un qui s'est donné beaucoup de mal pour faire passer votre évasion pour un accident. Et jusqu'à présent, votre sens de la furtivité a joué en notre faveur. Mais ces ouroudis ne vont certainement pas tarder à s'apercevoir que vous leur avez filé entre les doigts. Rendez-vous à la soute arrière. Là-bas, trouvez le portail de sécurité et entrez-y. Vous allez rencontrer plus de résistance. Mais plus vous réussirez à rester discret, plus vous vivrez longtemps. Stabilisateur déployé. Roue libre descendue à des valeurs acceptables. Indique la perte de quelques modules, mais rien de vraiment très alarmant. On vérifiera tout ça après l'amarrage. Parfait. Si on oublie l'incident avec le clandestin, une sacrée tempête et une visite de notre délicieux voisin complètement allumé, c'était un voyage quasi reposant. Oui, monsieur. On a aussi noté quelques interférences dans nos communications tout à l'heure. La tempête a peut-être endommagé le système de brouillage. On demandera à l'Irlandais de mettre un de ses hommes dessus une fois qu'on aura amarré. Allez, continuez. Baie d'amarrage confirmée. Verrouillage des portes de baie. Tout le personnel paré au déchargement.
Approche finale du camp de l'îlot du fusilier en cours. Ça va durer encore longtemps. J'en ai vraiment marre d'être coincé sur ce rafio. Oh, elle est pas prête d'avoir fini. Va nous falloir des heures pour décharger la marchandise, et puis faudra encore qu'on charge tout ce qui doit repartir. Super. Et j'imagine qu'ils voudront débriefer tout le monde sur le type qu'on a trouvé. Ce sera un vrai miracle si on a ne serait-ce que 15 minutes de calme avant de repartir. Parle pour toi. Moi, j'ai une perme. 2 semaines de repos complet. Je prends le prochain hélico et je file direct à la plage. Gros vénard. Tu vas être loin du champ de bataille. J'ai l'impression que l'ambiance à la base va être tendue. Keitner et Burke vont se prendre la tête sur le cas du prisonnier. Propulseur avant et arrière, arrière toutes. Je ne demande jamais ce qu'ils font, tous ces gens. Ces gens, c'est des terroristes. Final de guerre ou pire encore. Et nous, on les emprisonne pour les empêcher de tuer des innocents. J'ai absolument aucune pitié pour eux. Vraiment? Alors c'est quoi ces conneries de parler de combattants illégaux? Ça veut dire quoi en plus? On dirait un terme qu'on aurait inventé pour se couvrir. Ça veut dire tu la fermes et tu fais strictement ce qu'on dit. Moi, je crois ce qu'on me demande de croire. Et tu ferais aussi bien en faire autant, à moins que t'aies envie de tenir compagnie aux pauvres types qui peuplent les cellules de Burke. Approche finale du camp de l'îlot du fusilier en cours. Propulseur avant et arrière, arrière toutes. Verrouillage des portes de baie. Tout le personnel paré au déchargement. Vous voyez quelque chose? Arrêtez-le! Ah, ils ont déclenché l'alarme! Ils sont...
Activation du scan de sécurité. Données biométriques compilées. Malheureusement, vos déplacements ont fini par alerter la base. Je vais essayer de gagner du temps, mais... Donc, vous êtes un pirate. Il y a un tunnel de maintenance au quai de chargement 1. Il est accessible depuis une trappe. Allez-y, suivez les câbles. Et essayez de ne pas tuer la personne qui s'y trouve. Accès autorisé. Quelqu'un sait quand cette livraison de tourelles mobiles va être débarquée en Australie? Il y a déjà un moment qu'elles sont là à prendre la poussière. Toujours pas de nouvelles. Tu les as vues sur le champ de bataille? Super impressionnant. Bon, toujours deux ou trois mecs pour les déplacer, mais on verra où ça se passe. J'ai vu des vidéos. Ça a l'air assez simple à déployer. Merde! Je déraille ou quoi? Pas un pas de plus, Jensen. Vous? Tout ça, c'était vous? J'ai dit pas un pas de plus. Je peux tout vous expliquer si vous voulez bien rester où vous êtes. Et si vous baissiez votre arme? On serait mieux pour discuter. Plus tard. Vous vous êtes très bien débrouillé jusqu'à présent, mais nous sommes entre quatre murs sans aucun témoin pour vous retenir. Pourquoi me libérer, si vous me faites pas confiance? Je n'avais pas le choix. À vrai dire, je pense que vous nous ferez tuer tous les deux avant que tout soit terminé. Mais si on vous avait laissé dans le pétrin, qui aurait pu sauver votre cher docteur Reed? Vous savez quoi sur Megan? Je sais que son nom n'est pas vraiment passé inaperçu quand je l'ai ajouté aux critères de recherche de Burke sur votre profil. Mais ça m'a permis d'apprendre à mieux vous connaître, et de savoir ce que vous faisiez sur le bateau. Vous pensez que Belltower l'a kidnappé, c'est ça? Parce que c'est pas le cas. J'aimerais vous dire non. Mais après tout ce que j'ai vu ces derniers mois, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas dans la base. Plus maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas ce que vous pensez. Écoutez, le camp de l'îlot du fusilier sert de base à toutes les opérations de Belltower dans ce secteur, Jensen. Contrat régulier, opérations spéciales. Il y a 6 mois, j'ai reçu l'ordre de faire évacuer tous les soldats non gradés et les civils sous contrat de la zone d'atterrissage. 2 hélicoptères s'y sont posés quelques minutes après. Je pensais que ça avait un lien avec l'Australie. Surtout quand je les ai vus en sortir des brancards recouverts. Combien? 5. Gardé par une équipe des opérations spéciales hyper augmentée. Burke est venu à la rencontre de leur leader et toute l'équipe s'est engouffrée dans le centre d'internement.